C'était le nom blasphématoire. Amen. Et nous allons essayer de continuer avec le même sujet aujourd'hui. C'était le nom blasphématoire. Amen. Avant de commencer, nous allons prendre la Bible dans le livre de Marc, au chapitre 11. Là, nous avions lu la fois passée. Et nous allons se prendre au chapitre 17. Marc, chapitre 11, versets 12 et 13. Nous allons continuer jusqu'au verset 14. Ok? Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Amen. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, Jésus parle au figuier. Amen. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Les disciples ont entendu quand Jésus a parlé au figuier. Certes, le figuier n'a pas des oreilles pour écouter ou un cœur pour garder ce qu'on lui dit. Mais néanmoins, Jésus a parlé au figuier. Amen. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux qui peut même parler aux arbres. Apocalypse chapitre 27. La parole de Dieu déclare, il me transporta en esprit dans un désert. C'est en esprit. Et on le transporta dans un désert. Donc il a voyagé en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Le frère Benoît a corrigé ça. Il a dit que c'était plein de noms blasphématoires. Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, Jésus-Christ est ton nom. Toi, l'auteur de la vie éternelle, toi qui as créé toutes choses, toi la parole de Dieu. Nous venons, Seigneur, devant toi, abandonner, Seigneur, oh Dieu, cette réunion de sainte mère. Père, nous avons compris, oh Dieu, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des églises, Père, que la véritable chose a été ôtée, Seigneur, des églises. Oh Dieu, nous voulons être ce peuple-là qui t'ont cherché comme les disciples et t'ont trouvé, toi, les grands dieux du ciel. Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es le même Dieu, tu peux encore agir aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Père. Nous n'avons pas besoin d'une église, mais nous avons besoin de toi, Jésus. Viens et entre dans nos cœurs. Nous abandonnons entre tes selles de glorieuses mains, Père. Bénis la lecture de ta parole. Nous abandonnons le frère Freddy qui a un déplacement entre tes saintes mains. Jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, Seigneur, à la convention en Suède. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis tous les bien-aimés, Seigneur, là-bas en Suède qui se prépare et tous ceux-là qui vont se déplacer, Seigneur, pour l'événement. Que tu puisses les bénir. Aussi, Seigneur, ceux-là qui n'ont pas les moyens de se déplacer, est-ce que tu puisses aussi les bénir? Que tout soit pour ta gloire, au nom précieux et parfait de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Essayez de suivre cet enfant-là, parce qu'il n'écoute pas. René, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7, comme la fois dernière, que Jésus a appelé les églises à qui c'était le nom blasphématoire. C'est ce que Jean a vu. Le frère Branham dit que le livre d'Apocalypse, c'est le seul livre que Jésus-Christ a écrit. Tous les autres livres ont été écrits par les hommes. Mais le livre d'Apocalypse a été écrit par Jésus. C'est Jean qui a été transporté, n'est-ce pas? Amen. Dans le désert. Et il voit une femme qui était assise sur une colline, 17 collines, pardon. Et il avait... Elle avait sur elle, les noms blasphématoires. Et l'infantique diaglotte nous a dit que
Ce n'était pas le nom de blasphème, parce qu'il y a une différence entre le nom de blasphème et le nom blasphématoire. Amen. Amen. La fois passée, nous étions dans... Je vais continuer là où on s'était arrêté la fois dernière. Je vais directement sauter, aller là où on m'avait arrêté. Alors, le frère Manon nous avait dit qu'il n'y avait qu'une seule église, n'est-ce pas? Amen. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Le mot église, si on appelle nos églises églises, c'est-à-dire qu'on doit sortir. Amen. Amen. Manon dit que ce ne sont pas des églises, ce sont des loges. Parce que la véritable église, on n'adhère pas. Dans la véritable église, on est. Amen. Il n'y a pas moyen pour moi de naître dans une autre famille. Parce que je suis déjà né dans ma famille. Dans les noms blasphématoires, prêché le 4 novembre 1962, matin, le frère Balam dit ceci au Banga 179. Eh bien, il se plaint de moi quand je tape contre les organisations. Amen. Amen. La chose la plus horrible, la chose la plus malheureuse, c'est l'organisation. Beaucoup de gens voient les démons dans d'autres sens. Quand on parle de démons, les gens pensent que c'est lorsque quelqu'un fait des cauchemars la nuit et qu'il ne peut pas dormir. Or, le frère Bonhomme nous dit que les démons le plus dangereux, c'est les démons religieux. Il dit, l'homme qui est difficile à porter la parole, c'est les religieux instruits. C'est lui qui a un grand bagage intellectuel. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est parti chercher ses disciples vers les pécheurs. Les hommes sans instruction. Amen. Amen. Certes, il a aussi pris Matthieu. Parmi les disciples, il y a aussi Paul. On me dirait que Paul n'était pas un disciple de Jésus-Christ. Mais après Judas, ils ont choisi Matthias. Jésus, et le frère Abraham dit que Matthias était le choix de l'homme. Il dit, mais le choix de Dieu était Jésus. Il dit, en principe, le douzième disciple devait être Paul. Et nous voyons Paul qui était un homme instruit, qui était parti à l'école. Il dit, tout ce que j'ai étudié, tout ce que je savais, je connaissais, je l'ai considéré comme la boue. Il devait abandonner ce qu'il connaissait avant de connaître Christ. Ainsi que Moïse aussi, avant de connaître Christ, avant d'être un libérateur, il devait aller d'abord dans le désert. Le frère Madame dit que Dieu était en train de faire sortir tout ce qu'il avait appris en Égypte. Amen. Amen. Parce que le travail de Dieu ne demande pas un mélange. On doit pas mélanger notre intelligence de l'école avec les choses de Dieu, ça ne marchera pas. Non. Amen. Amen. Alors les gens ont construit des églises avec de l'intellect. Ils ont fait des églises de business. L'église est devenue une bonne affaire pour se faire de l'argent. Amen. Mais nous voulons être la petite voix qui parle, qui crie contre ces choses. Le frère Branham, lui qui est le prophète de l'âge, nous a déclaré que ces choses, ce ne sont pas les églises. Nous les appelons les églises par défaut. Ce sont des noms blasphématoires. Le frère Branham dit que ce sont des loges. Amen. Amen. Ce sont les noms blasphématoires qui se disent église de Dieu. Il dit, et église de Christ, et église méthodiste, et église de Pompepoint, ce sont des loges, pas des églises, une seule église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est? Il dit, le corps mystique de Jésus-Christ en action sur la terre, faisant qu'un membre de n'importe laquelle de ces congrégations soit un membre du corps de Christ. Vous devez naître en elle, pas adhérer à elle et adhérer à ça. Ce sont des noms blasphématoires. Amen. Amen. Une église qui ne porte pas, qui n'apporte pas par la parole de Dieu, comme il se doit, c'est un nom blasphématoire. Les gens sont entrés dans l'organisation. L'église catholique s'était organisée. Ils ont commencé le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pendant que dans Actes 2, 28, la parole nous déclare que
C'est la prescription de Pierre qui dit au peuple de se repentir d'abord, qu'ils sachent d'abord que l'homme Jésus qu'ils ont rejeté, l'homme Jésus qu'ils ont crucifié, que Dieu a fait de lui, Christ est Seigneur. Amen. Il devait d'abord se repentir de la pensée que Jésus n'était qu'un simple homme. Il était Dieu dans la chair humaine. Amen. 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 Il devait se repentir de cette pensée-là d'abord et enfin d'être baptisé. Sous quel nom? Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le frère Madame nous dit que Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont que des titres. Il dit que les démons se promènent avec ces noms-là. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est le seul nom qui nous a été donné, n'est-ce pas, pour vivre et pour être sauvé. En dehors du nom de Jésus-Christ, c'est la mort. Le nom de Branham ne sauve pas. Amen. Amen. Le nom de Branham n'est pas le nom du baptême. Le nom de Branham n'est pas le nom de la famille. Le nom de la famille, c'est Jésus-Christ. Car toute la famille au ciel et sur la terre se nomme hein, Jésus. Amen. Amen. Même le frère Branham lui-même se nomme hein, Jésus. Yes, sir. Amen. Alors, chaque église qui n'apporte pas la parole de Dieu, comme il se doit, c'est un homme blasphématoire. Voilà pourquoi moi je vous conseille de ne pas vous faire membre d'église de cette église ou de n'importe quelle église dans le monde, car il n'y a aucune église qui soit digne. Ce sont tous des loges, bien que nous donnons les noms à cela. La paix tabernacle, ainsi de suite tabernacle. Mais en réalité, on ne trouve pas l'expression du nom qu'on a donné à l'église. Une église qui s'appelle Paix Tabernacle, quand vous arrivez là-bas, il y a des gens qui se chamaillent. Là, il y a des gens qui ne peuvent pas se réconcilier. Mais on appelle ça Paix Tabernacle. Comme ces figures-là, qui est en train de bouger son feuillage, qui est en train d'appeler Jésus de loin. La Bible dit, quand Jésus arriva devant le figuier, il ne trouva que des feuilles. On ne mange pas les feuilles. Amen. Amen. On mange les fruits. Aujourd'hui, on ne fait qu'agiter les feuilles. La réconciliation tabernacle. La vie éternelle tabernacle. Jésus-Christ tabernacle. Tel et tel tabernacle. Mais quand on vient dans Jésus-Christ tabernacle, on ne trouve pas la vie de Jésus. Amen. C'est simplement un feuillage agité. Alors, comme nous sommes dans la recherche de la vérité, comme je cherche la paix, je vais chercher paix tabernacle. Amen. Comme je cherche la grâce, je vais chercher grâce tabernacle. Quand j'arrive là, il faut que je trouve de la grâce. Amen. Amen. Quand on parle de agapao tabernacle, quand je viens là-bas, il faut que je trouve de l'agapao. Agapao ne veut pas dire acheter la nourriture pour quelqu'un qui a faim. Non. Agapao, c'est prêcher la parole de Dieu jusqu'à la pierre de fête. Parce que l'amour agapao, c'est Christ lui-même qui est la pierre de fête. L'amour est collectif. Aujourd'hui, on confond les choses. Quand on parle de l'agapao, ça dit que si quelqu'un commet des erreurs, laissez dans ses erreurs. Non, monsieur. L'amour est collectif. Alors, on n'a pas trouvé le nom que toutes ces églises ont reflété. Alors, en cela, c'est devenu des noms blasphématoires. Amen. Cela incita la colère de Jésus. Jusqu'à ce qu'il a maudit l'arbre. Parce qu'il n'y avait pas de fruits. Frère Marie dit, voilà pourquoi l'église catholique a été rejetée. Parce qu'elle n'a pas été trouvée digne d'être l'épouse de Christ. Elle a dit qu'elle est l'épouse de Christ. C'est moi qui ai la voix de Christ. C'est elle qui devait proclamer les choses de Dieu. Personne d'autre. Mais quand Christ est venu dedans, il n'a rien trouvé. Elle a été répudiée. La reine Vashti. Amen.
qu'il n'y avait aucune soumission à la parole de Dieu. L'Église catholique ne pouvait pas se soumettre à la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'elle était la mère des prostituées. Et derrière elle, il y avait aussi des prostituées. Elle a produit beaucoup d'Églises. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas nous croyons le message de Branham. Mais attention, l'esprit d'organisation est en train même dans ce message. Le frère Branham a dit que ce message ne s'organisera jamais. Vous dites amen. Amen. Mais si nous voyons les gens organisés dans le message, ce n'est pas le message qui s'est organisé. Ce sont les gens-là. Ils sont venus dans le message après avec un esprit d'organisation pour les changements. Ils sont entrés dans l'eau comme des pêcheurs secs. Ils sortent de l'eau comme des pêcheurs mouillés. Amen. Alors qu'il devait y avoir une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Où l'homme change sa façon de vivre, change ses concepts et ne suit que les concepts de Christ, qui a été proclamé dans le ministère prophétique de William Branham. Mais aujourd'hui, on rejette facilement ce que Branham a dit. On rejette facilement ce que Jésus a dit. Si on ne peut pas rejeter, c'est la haine qui entre. On protège les églises. Parlez du mal des prophètes, personne ne parle. Parlez du mal de Jésus. Pas les réactions, mais parler du mal de leur église, c'est un problème. Amen. On ne touche pas à mon église, on ne touche pas à mon pasteur. C'est devenu des noms blasphématoires. Les pasteurs sont entrés dans le cœur des croyants au lieu de mettre Christ. Parce que celui qui demande le compte, ce n'est pas le pasteur, c'est Christ. Rassurez-vous que vous mettez Christ dans le cœur, pas le pasteur. Bien qu'il soit un bon enseignant. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Mais il vous enseigne Christ, mettez Christ dans le cœur. Ne pensez pas qu'en dehors de ces pasteurs, la personne ne peut prêcher. Nous croyons simplement qu'en dehors de Frère Branham, il n'y a pas de message. Amen. 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 Parce qu'en dehors de Moïse, il n'y avait point de message. En dehors de Noé, il n'y avait point de message. Si vous croyez que Frère Branham est prophète, c'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a point de message. Amen. Mais chacun peut choisir son pasteur. Chacun peut choisir son enseignant. Chacun peut choisir son docteur, comme vous voulez. Amen. Amen. Nous travaillons dans la complémentarité. La Bible déclare, venez plaidons. Mais combien plaident? Combien de gens se rassemblent pour parler de Dieu? Combien de gens approchent la parole de Dieu avec sincérité de cœur? Au lieu que ça produise de réunions, d'études sur la parole de Dieu, ça produit des guerres. Parce que tu as proclamé ce que moi je ne crois pas. En cela, tu deviens mon ennemi. En cela, je ne t'aime plus. Les jours que moi je vais prêcher chez moi, je vais parler contre toi. Non, on n'est pas dans ces histoires. Voilà pourquoi c'est devenu des nombres sur toi. Amen. L'autre micro qui rentre. C'est bon. Attends, je n'ai pas un profond. Pardonnez-nous pour ce petit dérangement. Alors, en cela, c'est le vide des noms blasphématoires. Parce que lui ne parle pas comme moi. Parce que lui, il n'est pas comme moi. Il ne prêche pas comme moi. Ça produit des guerres. Amen. Amen. Personne n'appelle l'autre pour examiner la chose. Au lieu que ce soit le cas, ça produit des guerres. C'est simplement parce que c'est le nom blasphématoire. Ça devait arriver. Amen. Amen. Au temps de Jésus, c'était pareil. Il ne pouvait pas chercher Jésus afin de parler de ces choses. Toi, tu nous as lu Esaïe 61 en nous disant qu'aujourd'hui cette écriture t'accomplit. Est-ce que tu peux expliquer ça bien? Mais lorsqu'il a fini de lire, il dépose le rouleau. Ils se sont mis à les regarder.
Amen. Amen. Étrangement. Les enfants ne jouent pas avec la iPad maintenant. Ils se sont mis à les regarder. Au lieu de nous dire, explique-nous ce que tu voulais dire. Il y a même des prédications de Jésus-Christ qui se soldaient en pierre. Paul dit dans Galates, il dit, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Amen. C'est le travail du diable. Les églises sont devenues des entreprises. Vous amenez la lumière, si ça va à l'encontre de l'église, c'est un problème. Le frère Branham dit ce sont des petits chats pentecôtistes qui aiment être caressés dans le sens du poil. En tout cas, j'aime les vieux là. Oh, les anciens, en tout cas, les anciens. Oh, sans vous, nous ne sommes rien. Oh, les anciens, en tout cas, ah, les anciens, oui, oui, ah, vous, vous. En tout cas. Oh, ça, ce sont des jeunes que nous aimons maintenant. Oh, voilà, voilà. Mais si vous les caressez dans les rebousses poils, vous êtes un mauvais jeune. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne respectent pas les gens. Amen. Parce que vous avez essayé de voir quelque chose qu'eux n'ont pas vu. Amen. Amen. Ils veulent d'abord voir les choses et que vous, vous les suiviez derrière. Amen. Amen. Dieu est dans sa souveraineté. J'ai appris que là-bas, à Glasgow, les gens prêchent telle doctrine. Mais il n'y a aucun ancien m'a appelé pour me dire que frère, je viendrai pour qu'on parle. Ou bien viens chez moi que nous en parlions. Viens, on va communier. Aucune fois. Mais j'entends simplement. Alors même les gens vraiment qu'on félicité. Voilà, ils sont tombés dans des choses, c'est terrible, c'est triste. Mais tu ne m'as pas vu. Venez prenons. Pourquoi? Parce que ce que nous enseignons ici est contre ce que toi tu enseignes. Juste interdire les frères de communier avec nous. Attention avec ces gens-là. Le frère Branham dit qu'à la pluie de la dernière saison, il dit qu'il y aura une grande pluie. Que les barrières, l'eau va monter au-dessus des barrières. Les canards de l'autre côté et de ce côté, ils vont communier ensemble. Nous sommes dans la pluie de la dernière saison. Alors, comme cela va à l'encontre du business, ça ne peut pas marcher. Nous sommes dans le noble assommatoire, prêché le 28 avril 61, à Chicago, paragraphe 23. Il dit, nous avons pourtant tout ça, c'est vrai. Comme on peut le constater, nous accumulons davantage, mais tous les fruits et ces choses sont en train de disparaître. Il semble que les eaux de la vie se tarissent. Au lieu que les eaux montent, les eaux sont en train de tarir. Les eaux devaient monter pour unir le canal de l'autre côté et de l'autre côté. Amen. Amen. Frère dit, c'est comme si les eaux sont en train de tarir. Il dit, plus de vie éternelle. Il dit, comme je l'ai dit l'autre soir, les pasteurs sont si occupés. Les gens sont tellement occupés à faire des échanges de membres. Ils sont si occupés à se faire l'échange de membres. Tu quittes cette église, tu vas dans l'autre église, tu deviens mon ennemi. Tu quittes mon église, je ne parlerai plus avec toi. Amen. Amen. Même si je te montre les Écritures, tu ne veux pas. Tu vas dire à tout le monde que voilà les gens qui sont perdus. Gloire à Dieu. Il dit, c'est comme si l'on faisait passer un cadavre d'une morgue à une autre. Amen. Amen. D'un endroit à un autre. Voilà, c'est vrai. Certains d'entre eux sont en train de fuir. Les autres sont en train de geler. Ainsi, c'est à peu près ce qu'il s'est produit. C'est ça. On le fait de changer les églises. Quand un membre de l'église quitte son église pour aller dans une autre église, c'est la guerre entre les deux pasteurs. Si un groupe de gens décide de quitter l'assemblée parce qu'ils ont vu plus que cette assemblée-là voit, c'est un problème. Des fois, madame dit, si tu vois plus que les pasteurs, il dit, c'est mieux de quitter. Il dit, puisque les pasteurs ne pourraient t'aider en rien, tu
perds ton temps. Si tu es quelque part, tu penses que cet homme, ce n'est pas lui qui a été envoyé pour me conduire, sors de cette église. Alors, si un homme trouve qu'il n'est pas nourri dans votre église et qu'il veut sortir, paisiblement, dans le calme et dans la paix, laissez la personne aller tranquillement. Amen. Que ça ne soit pas la guerre. On ne s'établit pas dans l'église. Moi, mon souci à moi, c'est de voir que la personne est toujours en Christ. Même s'il va dans une autre église, mais tant qu'il est dans la vérité, il poursuit la vérité, que Dieu le bénisse. Amen. Il n'est pas obligé d'être dans notre église. Il faut venir dans l'ordination. Verset 4, novembre 62, 49, il dit, nous croyons que ceci représente des corps brisés. Il parle de la communion. Je prends la partie en gauche. Il dit, c'est pour ça que ces églises qui se disent chrétiennes ont été trouvées dans la Bible pleines de noms blasphématoires. Il dit, ouais, pourquoi? C'est parce qu'en prenant la communion et en ressortant pour mener n'importe quel genre de vie. Dans les messages, les gens vivent n'importe comment. Et il y a des pasteurs qui regardent ça comme ça, ils ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont crainte que les membres quittent l'église. Nous ne voulons pas être une église comme ça. Parce qu'on serait un homme blasphématoire. Le frère dit, les gens entrent dans l'église, ils prennent la communion et en sortant, ils font de n'importe quoi. Mais un chrétien, frère dit, un chrétien, ça veut dire être comme Christ. Être un chrétien, tu dois véhiculer les images de Christ. Être un chrétien ne veut pas dire mettre une croix dans ta maison, mettre une croix dans ta voiture, bien que ce soit une bonne chose. Avoir le fauteuil de Branham dans la maison, c'est une bonne chose. Le fauteuil de Jésus et de Hoffman. Les photos de la Niue, la photo du trône, toutes ces photos-là, c'est bien. Mais tu dois être toi-même l'expression de ces photos-là. En principe, un chrétien, c'est quelqu'un, quand on le voit, on peut lui confier n'importe quoi, sans crainte. Supposons que Jésus, lui, qui est Christ. Si Jésus vient ici, beaucoup de gens vont même lui confier leurs entreprises. Et ils vont aller dormir calmement parce qu'ils savent que Jésus ne volera jamais. Parce que Jésus ne peut pas voler. Alors si nous avons le même esprit que Jésus, pourquoi il vole parmi les croyants? Pourquoi il y a de l'escroquerie parmi les croyants? Parce que nous portons le nom de Christ, mais nous ne sommes pas comme lui. Amen. Nous ne vivons pas la vie de Christ. Les églises ne reflètent plus Christ. L'église de Jésus-Christ n'était pas un business. L'église de Jésus-Christ a amené les disciples dans la relation personnelle avec Dieu. C'est lui qui les avait dit, quand je vais partir, allez-y dans la chambre haute. Restez là-bas prier. Tout le monde était là, même Marie. Parce que dans son projet, il voulait demeurer en eux. Jusqu'à ce qu'il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous serez baptisés de la puissance d'en haut. Amen. Ils sont allés à la chambre haute. Ils ont commencé à prier, chanter, prier, chanter. Aujourd'hui, les gens ne prient plus. Les gens ne veulent plus chanter. Quand nous sommes dans l'église, chanter. Amen. Amen. Chanter devait être une joie. Parce que quand les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens être engloutis dans la mer rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Chanter, c'est un signe qu'on est libéré. C'est un signe de la liberté. C'est un signe qu'on est réellement affranchi. On doit chanter. Mais vivons la vie de Christ. Être comme Christ. Être chrétien, c'est être comme Christ. Be Christ-like, comme le dit le frère Paul. Le frère dit ceci. Looking at the unseen, regardant l'invisible, Prêcheur 59, et pardon, le 10 avril 1959. Le frère dit ceci, paragraphe 13. I think that's about the way it's got out today. Il dit, c'est comme ça que c'est aujourd'hui. Il dit, till the church has become a social gathering in the state of the leading of the Holy Ghost and the baptism back again. L'église est devenue un rassemblement social.
Les pasteurs sont devenus les ministres des affaires sociaux. Pardon. Au lieu de traiter, n'est-ce pas, les affaires du royaume, les pasteurs commencent à traiter les affaires du mariage. C'est triste. Plainte après plainte. Mais nous avons les messages. On nous a prêché mariage et divorce. J'aime ce que le frère Joseph fait. Si vous vous posez une question au frère Joseph sur la doctrine, vous savez ce qu'il fait. Il vous envoie une brochure. Et c'est un jour, demandez au frère Joseph, frère Joseph, est-ce que Jésus est venu? Il t'enverra une brochure. Frère, est-ce que les choses sont, les tonnerres sont révélées? Il va t'envoyer une brochure. Parce que tout se trouve dans les brochures. Frère Joseph, moi je suis arrivé comme je me suis marié 3 fois et maintenant mon mari a quitté. Est-ce que je peux encore, est-ce que. Brochure. Amen. Parce que toutes les réponses sont dans les brochures. Aujourd'hui, nous proclamons le royaume, c'est le royaume des égaux. Là où les membres de l'église et les prédicateurs doivent être au même niveau. Si vous avez des besoins, étudiez la parole de Dieu. Il y a toutes les réponses à l'état. Moi, je l'ai trouvé. Amen. Amen. Bon, si on peut aider, on va aider. Mais que ça ne soit pas notre travail de tous les jours. On n'a plus le temps de méditer sur la parole de Dieu. Juste, voilà, les enfants ont fait ça, ma femme, mon mari. Mais comment? On a besoin du temps pour étudier la parole de Dieu. Femme, on a dit, c'est devenu comme les rassemblements sociaux. Non, ça ne devait pas être le cas. L'église de Dieu devait prêcher la parole de Dieu. Et quand les gens reçoivent la parole de Dieu, ils devaient le recevoir dans leur cœur et devenir les chrétiens et vivre une vie propre. Si nous, les chrétiens, ne pouvons pas entretenir nos mariages, qu'en est-il des païens? Qui va demander conseil à qui? Parce que l'homme qui est dehors là-bas, il vous voit, vous le coin du message, vous menez une bonne vie. S'il a des problèmes, il viendra vers vous. De la manière dont vous allez l'aider, ça peut aussi l'amener à croire le message. Mais si nous-mêmes ne vivons pas la vie du message, comment voulez-vous que les gens nous suivent? Si entre nous ne pouvons pas s'asseoir et parler des choses de Dieu, comment voulez-vous que les gens nous suivent? Les gens ne peuvent pas nous suivre. Parce qu'ils ne sont pas nous-mêmes exemples. Jésus était l'exemple parfait. Il a vécu ce qu'il a prêché. Le frère Branham a vécu ce qu'il a prêché. Il n'était pas un homme blasphématoire. Quand on dit que le frère Branham était le prophète de Dieu, réellement il était le prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait le frère Branham prophète? C'est parce qu'il pouvait aussi discerner les pensées du cœur. C'est parce qu'il pouvait vivre une bonne vie. Un jour, le frère Branham avait les affaires des impôts. À chaque fois, son avocat devait l'appeler. C'est embêtant. Une fois son avocat l'appelle, qu'est-ce que le frère Branham dit? Il dit, mais a dit à mon avocat que je ne suis pas là. Il est sorti de la maison. Mais a pris le téléphone en pleurant. Il appelle l'avocat et dit que non, il n'est pas là. Elle a d'abord obéi à son mari. Voilà une épouse. Après, il est parti dire à son mari. Billy, c'est tout ce que tu as trouvé à faire, à dire. Dis non, mais je n'étais pas là. Il dit non, quand tu disais ça, tu étais là. Tu es sorti après. Le frère Benoît a essayé d'ignorer ça. Et un enfant malade est venu. Le frère Benoît voulait prier pour l'enfant. Dieu lui dit, enlève tes mains sales de l'enfant. Le frère Benoît dit, oh, je dois d'abord mettre un chauvin. Il dit, oh monsieur, la main de l'enfant revient des mains. J'ai quelque chose à mettre en ordre. Amen. Parce que lui, il était prophète, il devait refléter ce qu'il était. Il appela son avocat. Il dit, pardonne-moi, hier, quand tu m'as appelé, j'étais là. J'ai poussé ma femme à mentir. L'avocat lui dit, Billy, j'ai toujours eu confiance en toi. Mais maintenant, j'ai encore plus confiance. Amen. Ça, c'était un chrétien. Il était Christ manifesté dans la chair humaine. Amen. La chair est faible. C'est pourquoi nous disons que la chair de Branham n'était pas Dieu, dit Amen. Si la chair de Branham était Dieu, il n'allait pas mentir. Si la chair de Jésus était Dieu, il n'allait pas avoir de mots de tête. Il n'allait pas avoir faim.
Pourquoi il a maudit le figuier? Parce qu'il avait faim, il voulait manger. Dieu n'a pas faim. Est-ce que Dieu mange? Dieu ne mange pas. C'est l'homme qui mange. Jésus était Dieu dans son esprit. Comme toi, tu es Dieu dans ton esprit. Le frère Branham était Dieu dans son esprit. Amen. Amen. Mais un homme qui a vécu la parole de Dieu. En cela, quand il a réfléchi la vie de Christ, il a dit au Messie, reviens. Il a prié pour le prophète de Dieu. Mais aujourd'hui, nous marchons comme nous voulons. Nous traitons les membres des églises comme nous voulons. Amenez les offrandes. Amenez les dîmes pour moi. C'est ce que moi je veux. Alors que ça ne devait pas être le cas. Le frère Branham continue. Ici, il dit, les people are so far away. Les gens sont si loin. They're talking about revival in the last days. Il parle du réveil. Le frère Branham dit, le réveil, c'est le signe de la fin. Si vous voyez les paroles en langue, pardon, cela veut dire que la dispensation est arrivée à la fin. Frère Branham, il n'y a plus de réveil aujourd'hui. Un jour, le frère Bosé a dit au frère Branham, frère Branham, je vois le Chicago être secoué. Je veux voir le réveil de Chicago. Il dit, frère Bosé, Chicago a déjà été secoué. Il dit, si un homme croit la parole de Dieu, Chicago est secoué. Il n'y a pas un réveil général aujourd'hui. Le réveil, c'est pas dans le cœur des croyants. Que les gens deviennent des nouvelles créatures en Christ. C'est ça le réveil. Parce que le réveil, c'est bouger quelque chose qui dormait. Le réveil, ce n'est pas un mouvement de masse. Ça, ce n'est pas un réveil. On peut avoir un mouvement de masse ici, mais il n'y a pas de réveil. Il y a des prédicateurs pentecôtistes qui remplissent des salles. Ça, ce n'est pas un réveil. L'église est réveil. Non blasphématoire. Il n'y a aucun réveil dedans. Amen. Les églises de sommeil, ce ne sont pas les églises de réveil, ce sont les églises de sommeil. Parce que les églises du réveil doivent apporter le réveil dans l'âme de l'homme. Amen. Pas amener un groupe de gens à chanter, à faire du bruit, vous appelez ça le réveil. Ça, ce n'est pas le réveil. Ça, c'est un mouvement de masse. Mais le réveil se passe dans le cœur des croyants. Comment est-ce que vous allez délivrer quelqu'un? On va faire l'exorcisme. La personne va commencer à trembler, tomber par terre, par-ci, par-là. Le vêtement qui monte par-ci, par-là. Et après demain, vous allez voir la même femme avec des colons, avec des maquillages. C'est-à-dire qu'elle n'est pas délivrée. Et là, vous allez poser le vêtement qui moule le corps, qui suit le corps. Qui colle partout là. Ça montre la silhouette de la personne. Une séduction. Et tout le temps qu'il va regarder une femme comme ça, commet l'adultère avec la femme. Frère Branham dit, ces jours-là, tu peux être fidèle comme tu veux à ton mari. Il dit, ces jours-là, tu seras appelé comme l'adultère. Parce que tu t'habilles mal. Même ma soeur catholique nous dépasse. Elle s'habille de la manière que vous ne voyez même pas son corps. Vous ne pouvez même pas voir la silhouette de son corps. On appelle ça démodé. Non, ils sont partis loin, mais ils ont quand même gardé quelques principes. Dans l'église catholique, les femmes ne prêchent pas. Mais sur le pentecôtiste, une femme en pantalon vous prêche la parole. Et elle va vous convaincre comment. Seigneur, alléluia, alléluia. Non. Ce n'est pas elle de prêcher la parole. Elle doit néanmoins demeurer en silence et écouter les instructions. Parce qu'elle a été trouvée coupable de transgression. C'est par elle que le péché est entré. En cela, qu'elle ne prêche pas. Église de réveil, une femme qui prêche. Non blasphématoire. Ce n'est pas une église de réveil. Quand vous dites, mais Paul a dit, mais lui aussi, Paul lui aussi, mais il est exagéré. Sans scrupule, vous parlez comme ça contre Paul. Paul de la Bible. Amen. Amen. J'ai parlé avec un pasteur, vous dites, non, vous exagérez. Qu'une femme ne prêche pas, c'est quoi ça? Vous dites, mais c'est Paul qui a dit ça, c'est pas Branham. C'est Paul qui a dit ça. Mais lui aussi, Paul, mais lui aussi. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas Paul, vous le savez. Mais Paul, c'est lui qui a écrit presque
l'Écriture de tout le Nouveau Testament. Si vous rejetez Paul, vous rejetez toute la Bible. Amen. Et Paul dit, tout celui qui viendra prêcher le contraire de ce qu'il a dit, il dit qu'il soit anathème. En d'autres termes, qu'il soit maudit. Il dit, même un ange descend du ciel, s'il vient proclamer quelque chose d'autre que ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Et nous croyons que Paul, c'est le prophète. Amen. Paul est prophète. La Bible dit que Paul est apôtre, vous l'appelez prophète. C'est bien sûr qu'il est prophète. Parce qu'il avait l'audio et la vision. Dans la Bible, on nous a parlé de deux magiciens, des pharaons. Mais Paul dit, il vient, il nous dit, Jeannès et Jambres. Et c'est le nom. Qui lui a dit ça? Non, peut-être il a trouvé tout ça, peut-être dans les livres, ça c'est ce que vous pensez. Ce n'est pas sûr. Mais du moins nous savons qu'il a cité le nom. Amen. C'est ça la qualité des prophètes. Un prophète peut entrer. Mais un prophète, nous avons reçu un prophète. Il a l'audio et la vision. Moïse nous a écrit Genèse, il était là. Est-ce que Moïse était là dans le jardin d'Eden? Non. Il nous a parlé de la vie d'Abraham, de la vie de Joseph. Il était là. Quand Caïn a tué Abel, Moïse était là. Mais c'est lui qui les relate. Les livres de Job est le plus ancien livre de toute la Bible. C'est plus ancien que le livre de Genèse, vous savez ça. C'est Job qui devait nous dire ces choses en principe. Parce que lui, il était plus proche de Moïse. Il nous a parlé de Noé. Vous le savez, comment est-ce qu'il savait ça? Parce que c'est un prophète. Paul aussi était un prophète parce qu'il avait l'audio et la vision. Il pouvait voir. Et notre prophète aussi avait l'audio et la vision, il pouvait voir. Il dit que Marilyn Monroe était exactement comme Eve. Il dit, l'âge de la mort dans le film de Cécile Mille. Il dit, en Israël, c'était exactement comme ça. Quand il parlait de la femme qui avait l'ombre noire sur sa tête, il dit, c'est exactement comme c'était dans le film de Moïse. C'est comme ça que ça s'est présenté. C'était vraiment comme de la fumée noire. Il dit, Dada dans le film de Moïse, c'est lui. Il dit, Moïse dans le film de Cécile Mille, il était comme ça. Mais une seule rien, Moïse était chauve. Vous parlez d'un prophète, mais on a reçu un prophète. Amen. Il dit, Michel-Ange avait la pensée juste. Il a répété ce qu'il avait dans sa pensée. Il dit, c'était à peu près ce que Moïse était. Il dit, c'était tellement parfait qu'il a frappé. Il dit, parle Moïse. Il dit, c'est ce qu'il a appelé chef-d'œuvre. Il a le Dieu et la vision. On continue. The talking and revival in our days. Billy Graham mentions it many times. Billy Graham a mentionné ça plusieurs fois. And I'd like to see a revival in our days. J'aimerais voir un réveil dans ces jours. But there's been leaders who have taken the people this way and that way and this way and that way until they don't know which way to go. Il y a des leaders qui ont amené le peuple de gauche à droite. C'est de ce côté, de l'autre côté, jusqu'à ce que les gens ne savent plus où aller. Il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison, ne vont plus dans les églises. Parce que c'est devenu des noms blasphématoires. Il dit, oh mon ministère est quoi? Parce qu'il y a des bons frères là-bas. Laisse que quand la personne viendra, c'est qu'il puisse trouver le bon esprit de Christ. Amen. Souhaiter la bienvenue aux gens, pas simplement avec les paroles, mais dans les cœurs. Que nous puissions être un oasis. Là où les gens vont retrouver la paix qu'ils n'ont plus trouvée dans les églises. Amen. Ça, c'est ma prière. Amen. Amen. Chassons les la divergence. Toutes ces choses-là, celui qui est faible, vous l'aidez à monter. Celui qui est monté, vous l'entraînez pour qu'il puisse encore monter davantage. Vivez dans l'esprit de Christ. Le frère madame dit, ils sont en train de tirer les croyants de l'autre côté, de gauche à droite. Il dit, jusqu'à ce que les croyants ne savent plus où aller. C'est une réalité, c'est la vérité. Amen. Il dit,
Okay, I pray that God will send us a such spirit of conviction. Que Dieu nous enverra un esprit de conviction. L'affaire de Dieu, c'est une affaire de conviction. Amen. Tu dois être convaincu et concerné. Amen. C'est en cela que tu deviendras un véritable chrétien. Sans ça, tu seras une victime des églises. Ils vont te tirer ça et là. Ils vont se jouer de vous. Ils vont vous soutirer de l'argent. Ce sont des entreprises religieuses. C'est une affaire de conviction. In the Holy Ghost, till they will come back to his leadership instead of modern leaders of the day, all over the world. Jusqu'à ce que les gens soient convaincus et qu'ils puissent retourner dans le leadership du Saint-Esprit. Parce qu'il faut me dire que l'homme a été créé pour être conduit par le Saint-Esprit, pas par un homme. Certes que le Saint-Esprit s'incarne dans l'homme, mais l'homme doit être rempli du Saint-Esprit pour conduire le peuple. Amen. Les gens doivent être convaincus. Ils doivent avoir de la conviction. Tu vas quelque part, les frères, ils prêchent quelque chose que tu ne l'agrées pas. Tu l'appelles, les frères, regarde ce que j'ai vu. Regarde ce que tu as prêché. Mais ça, moi, je ne le vois pas comme ça. Si on peut en parler. Je sais que le frère Manon a dit ça, mais vous savez, le frère Manon a dit ça avec ses opinions. Ah, frère, il baille. Parce que tu es convaincu. Parce que ici, il s'agit de la vie éternelle. Tu ne diras pas que parce que le frère est prédicateur, parce que le frère Frédéric est prédicateur, laissez-moi prendre simplement ce qu'ils disent. Non. S'il y a quelque chose que je dis qui ne se trouve pas dans le message et que je le vois, nous allons changer. Amen. 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 Mais si je ne prétends pas être un, je sais tout. Je sais que nous sommes dans une complémentarité. Que celui qui est dans les voies peut aussi me montrer quelque chose qui va m'inspirer. Amen. Amen. Ne suivez pas les leaders modernes de ces jours. And we might on for several hours, speaking of the modern day, of how men and women today just completely look and they go down the street. Nous passons beaucoup de temps à parler de ces temps modernes, de ces jours modernes. Comment les gens, à quoi les gens ressemblent. Comment ils descendent la rue et ils vont choisir une église où ils voudront aller. Où ils vont amener leurs enfants. Amen. Ils descendent dans la rue, ils cherchent une église où ils vont aller. Parce que nous croyons que les enfants, il faut les remettre entre les mains de Dieu. Il faut aller à l'église. Mais quelle église? Il faut amener les enfants à l'église. Mais quelle église? Les pasteurs sont dans les sentiments. Ils vont outre que ce que le frère Branham dit. Quelque chose que le prophète a interdit, ils vont quand même le faire pour plaire à une catégorie de gens. Amen. Et les gens sont si découragés à cause du nombre d'affirmatoires. L'église ne reflète plus ce qu'elle devait être. Ça crée un découragement dans le peuple. Ils descendent dans la rue et cherchent l'église où aller et amener les enfants. And they search around through the city, not trying to find the most beautiful church. Ils ont cherché dans la cité, frère Noé. Cherché une église où aller, mais ils n'ont point trouvé une église spirituelle. Ça, c'est le prophète qui parle. C'est triste. Alors, si les églises ne sont plus spirituelles, c'est-à-dire que c'est devenu des noms blasphématoires. Amen. Amen. But the biggest church that they can find, the one that's got the greatest crowd. La plus grande église qu'ils peuvent trouver, c'est l'église qui a beaucoup de gens. 20 000 membres. Amen. And the best dressed, les gens qui sont bien habillés. And the celebrity of the city goes in this church. Toutes les célébrités de la cité vont dans cette église-là. Where it's called the better class.
ou on appelle une meilleure classe. As far as men know. C'est ce que les hommes connaissent. La plus grande église, ce n'est pas l'église qui a beaucoup de membres. La plus grande église, ce n'est pas l'église qui a des célébrités ou là où voient les maires de la ville. La plus grande église, ce n'est pas là où les gens s'habillent bien, ils ont de belles voitures. Amen. Mais la plus grande église, c'est là où se trouve Christ. La Bible déclare que là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis parmi. Vous pouvez être 20 000, 25 000, 40 000 personnes, que sais-je. Mais si Christ n'est pas là, ce n'est pas une grande église. Dites amen. Ne soyez pas complexés des églises parce que c'est grande. Ne soyez pas complexés parce que c'est. Il y a les maires de la ville qui vont là-bas. Il y a les généraux de la cité qui vont là-bas. Vous savez, chez nous, les maires de la ville viennent chez nous. Nous sommes une grande église. Le président de la République vient chez nous. Un franc-maçon, même s'il vient chez vous, vous n'êtes pas une église, c'est un homme de. Parce que dans cette église-ci, si un franc-maçon vient ici, il sera mal à l'aise. Parce qu'on va coller sur ça. On va prier, on va allumer le feu jusqu'à ce qu'il va sortir lui-même. Amen. Amen. Je pense que vous me suivez. Amen. Les enfants. Regardez le visage de toujours. Fais pas l'opportunité. Il dit, and then in that church, they will try to find a minister that what they call not narrow-minded. C'est-à-dire, ils vont trouver un ministre, ce qu'eux appellent, qui n'est pas narrow-minded en français, qu'est-ce qu'on va dire? Narrow-minded, c'est lorsque quelqu'un qui a un esprit ouvert. C'est ce qu'ils appellent open mind. Narrow-minded, c'est quelqu'un qui a l'esprit fermé, qui est limité. Et les prédicateurs, comme ça, ils disent que non, lui, il n'a pas un esprit limité. Il a un esprit ouvert. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, that's just about to let them live anywhere they wish and belong to that church. C'est parce qu'ils les laissent vivre de la manière dont ils veulent et demeurer comme membre de l'église. Amen. Voilà pourquoi les gens choisissent les églises comme ça. Là où il y a ce qu'on appelle le laisser-aller. Là où les gens font de n'importe quoi. Là où il y a un copinage à l'église. Là où on marie noir et blanc. Amen. Amen. Là où les femmes mettent des maquillages, il n'y a pas d'interdiction. Là où les membres de l'église vivent n'importe comment. Et un homme comme ça, on dit qu'il a un esprit ouvert. Mais vous avez un esprit fermé. Narrow-minded. But the spiritual man on the inside, il dit, mais l'homme spirituel à l'intérieur. De faire quelques coquilles. L'homme spirituel à l'intérieur, parce que ces gens sont partis. Le frère va continuer. Alors, l'homme spirituel à l'intérieur. Allô. Allô. Le frère Bayon dit ceci, que l'homme spirituel à l'intérieur. Nous avons ça. Ça c'est l'homme, n'est-ce pas? Ok? Qu'est-ce que nous avons ici? Vous êtes avec moi? Amen. Le corps. Pourquoi il fâche? Non, c'est bien. Nous avons les corps, n'est-ce pas? Et ici nous avons l'esprit. Ici nous avons l'âme.
Le frère Branham dit que cet homme de l'intérieur ici, c'est ce qu'il dit. Il dit que cet homme de l'intérieur, if you give him the right of way, he might lead you to a little mission somewhere where there is not many people, but there is the spirit of the living God. Il dit que si vous laissez que cet homme intérieur puisse vous conduire, lui, cet homme-là, le subconscient, l'âme, ne vous conduira jamais dans quelque chose de grandiose. Il vous conduira là où il y a l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que les gens ne vivent plus selon ce qui est dans l'âme. Les gens n'écoutent plus leur subconscient. Les gens sont dans les sensations. Ils écoutent. Ils ont de l'envie. Ils veulent être comme les autres. Un frère est béni, moi, je veux être comme lui. Il a acheté une BMW, moi, je vais acheter une Mercedes. Ça, c'est charnel. Parce que les gens n'écoutent plus leur intérieur, c'est ce que le frère Balon dit. Et l'homme intérieur ne peut que vous amener dans la vérité si vous avez la semence de Dieu. Amen. C'est le travail de l'homme intérieur. Il vous amène là où se trouve la chose de Dieu. Il ne vous amènera pas dans quelque chose de blasphématoire. L'homme intérieur ne fera pas de vous un membre d'église. L'homme intérieur fera de vous un véritable chrétien et il vous donnera la nature de Christ. Amen. 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 Comme on a toujours dit que dans l'âme, il n'y a point de sens. Tout ce que vous avez au niveau de l'âme, c'est devenir la même chose que Dieu lui-même. Amen. Vous ne pouvez pas devenir Dieu dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a les sentiments. N'est-ce pas? Amen. Il y a la mémoire. Il y a encore quoi? Il y a la connaissance. Il y a encore quoi? Il y a la conscience. Et il y a l'affection. Vous ne connaissez pas ces choses? Amen. Amen. Vous ne pouvez pas devenir Dieu dans ces choses. Amen. Amen. Et ici, nous avons quoi? Dans la chair. Le goût. Louis. Toucher. Fil, on a déjà ça. Et l'odorat. Smell. Amen. Amen. Parmi ces choses, il n'y a rien qui peut devenir Dieu. Parce que pour que Dieu puisse toucher, pour qu'il puisse humain, Dieu est devenu chair. Qu'il puisse être le sacrificateur qui compatit à nos infirmités, il est devenu esprit. Mais avant de devenir corps et esprit, il était d'abord âme. Et ici, l'âme, c'est ce que nous appelons la famille Elohim. Amen. L'âme, c'est la famille Elohim. Et Elohim, c'est l'ensemble des attributs de Dieu. Un attribut de Dieu, c'est un Elohim. Et ensemble, c'est Elohim. Vous ne pouvez pas être dans la famille Elohim si vous n'avez pas la semence de Dieu. Et celui qui a la semence de Dieu ne sera jamais un membre de l'Église. Il ne vivra jamais dans l'esprit, dans la conscience, dans les sentiments, dans la mémoire. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'âme de Dieu en lui, qui est connu par l'homme intérieur, cet homme-là n'est pas dans les sentiments. Même si j'ai pitié de toi, mais si la parole de Dieu te frappe, moi je te frappe, bien que ça me fait mal. Amen. Amen. Même si ça doit frapper mon enfant, ça frappe. Parce que c'est Dieu qui vient en premier. Un enfant de Dieu est censé sortir de l'affection, de la conscience. Amen. Amen. Parce que dans les sentiments, Moïse avait poussé une Éthiopienne. Son frère et sa soeur sont allés à l'encontre de Moïse. Ils ont dit, Moïse, ce que tu as fait, ce n'est pas correct par rapport à la parole. Amen. Mm-hmm. C'était les sentiments. C'était la mémoire.
ce que Moïse avait dit, ils en avaient dans la mémoire. Mais l'un avait dit autre chose. Dans la mémoire, il s'est trouvé Jésus-Christ lui-même. Mm-hmm. Amen. Amen. Là, il s'est trouvé Jéhovah. Et Jéhovah, depuis l'homme, a réagi. Il dit, qui êtes-vous pour parler à Moïse? Amen. Amen. Bien que c'était différent. Bien que c'était presque le contraire de la parole. Mais il a dit, qui êtes-vous pour parler contre Moïse? C'est l'homme qui a réagi. Alors aujourd'hui, dans le message de Fébana, c'est le message du troisième exode. Amen. Le prophète de Dieu dit, by the spirit of man on the inside, if you give him the right of way, be he might lead you to little mission somewhere where there is no many people, but there is the spirit of the living God. Il va vous amener dans une église où il n'y a pas beaucoup de gens, mais néanmoins, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'homme intérieur n'est pas dans les sentiments. Là, je suis maintenant dans l'individu. Il dit, for the outside man feeds on psychology and intellectual. Amen. Amen. The outside man, l'homme externe, lui, il bouffe la psychologie. Les choses à l'intérieur, les discours sont tués. Les discours qui sonnent bien dans les oreilles. C'est là où on dit, oh, l'Esprit de Dieu ici. Alléluia. Amen. Les Caïphas étaient des bons prédicateurs. Le serpent lui-même était un prédicateur éloquent. Amen. Il a prêché un bon serment à Ève. Et Ève a dit, amen. Et elle a consommé la parole du serpent. Et elle a péché contre Dieu. Son fils Caïn a construit la plus belle église de l'époque. Il y avait les grèves, il y avait les raisins, il y avait les oranges. Il a bien mixé, n'est-ce pas, les couleurs des fruits. Amen. Amen. Mais ce n'était pas une église selon la pensée de Dieu. Je ne dis pas qu'à dehors de William Branham, les gens ne prêchent pas bien. Il y a des grands prédicateurs qui prêchent peut-être plus que Branham. Le frère Branham a dit, si je pouvais prêcher comme Billy Graham, il dit, j'abandonnerai la chair, je ne prêcherai plus la parole, je ne ferai que guérir le malade. Non, pardon, il dit, si je pouvais prêcher comme Billy Paul, j'abandonnerai, je ne prêcherai plus pour le malade, je ne ferai que prêcher la parole. Il dit, c'était des hommes éloquents. Mais dans la pluie de l'arrière saison, on ne les a plus retrouvés. Frère Branham dit, ils allaient là-bas, ils gagnaient 30 000 membres. Mais lorsqu'ils revenaient, ils n'avaient rien. Il dit, mais Paul, quand il prêchait, il gagnait peut-être 30. Quand il revenait, c'était 30 000. Il dit, parce que Paul déposait quelque chose dans le cœur des croyants. Et cet homme extérieur, externe, lui, ce qu'il aime, c'est la psychologie. Les beaux textes. Les lexiques anglais, l'eschatologie, voilà ce qu'il aime. Les choses qui frappent à l'oreille. Mais celui-là n'a pas besoin de ça, l'homme intérieur. L'homme intérieur n'a pas besoin de ça. Lui, il cherche quelque chose qui lui ressemble. C'est pourquoi je dis que Dieu n'apprécie pas l'intellectualisme. Aller à l'école, c'est une bonne chose, mais Dieu n'est pas dedans. Les études ne sauvent pas. Amen. Amen. Un homme peut ou n'est pas allé à l'école, mais peut être sauvé. Amen. Dites amen. Amen. Abel n'était pas parti à l'école, mais était sauvé. Non, ça c'est pas l'époque d'Abel. Il y a des gens dans les forêts qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Tout ce qu'ils savent, c'est faire des signes et lancer des cris. Tu ne me diras pas que les hommes ne seront pas sauvés. Ils seront sauvés. Le frère Barthé est parti en Afrique, il a vu les gens qui ne seront jamais allés à l'école. Il dit, lorsqu'il a commencé à prêcher, lorsqu'il a commencé à lire les prières, il dit, ils étaient plus des hommes que les gens qu'il a laissés aux États-Unis. Amen. L'intellect, c'est bien. Mais aujourd'hui, Dieu nous aura prêché par un intellectuel. Il nous a prêché par un primaire. Il nous a parlé de la dynamique et de la mécanique. Lui, il connaissait ça où. Amen. Dieu lui-même, c'est l'intellectuel dans l'homme.
Et l'âme interne ne cherche pas la psychologie. Fait maintenant dit que celui-ci s'est nourri de la psychologie. Le prophète de Dieu continue. Il dit, but the inside man feeds on the word of God. L'homme intérieur mange la parole de Dieu. C'est la seule chose qui intéresse l'homme intérieur. La psychologie ne l'intéresse pas. Nous avons regarde ce que nous avons là. Ça, c'est l'homme, n'est-ce pas? Nous avons l'épée qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, n'est-ce pas? La parole de Dieu va pénétrer dans l'homme jusqu'à arriver au niveau de l'âme. Parce que le corps de l'homme, c'est un tabernacle. L'homme ne peut pas devenir chrétien si la parole n'est pas arrivée dans l'âme. Comme dans les tabernacles, quand on amenait le sang traversait le parvis, les lieux saints, jusque dans les saints des saints. Si le sang n'atteint pas l'âme, n'atteint pas les saints des saints, le pardon ne sera jamais accordé. Amen. Amen. Point de pardon si le sang n'atteint pas les saints des saints. C'est lorsque les sacrificateurs sortaient du Saint-Dessin qu'ils faisaient l'aspersion. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de faire l'aspersion, il devait d'abord entrer dans le Saint-Dessin. Et c'était son propre âme. Et la parole va pénétrer au niveau de la chair. Jusqu'à ce que vous écoutez la parole. Vous parlez la parole. C'est bien. Ou bien vous prêchez. C'est bien. Vous prêchez la parole, vous écoutez la parole, c'est bien. Vous allez dans les eaux du baptême, c'est bien. Mais jusque-là, vous n'êtes que dans la chair. Vous n'êtes pas encore chrétien. Vous avez écouté la parole avec Louis. Vous allez dans les eaux du baptême par la sensation, vous sentez de l'eau dans votre corps. Amen. Et c'est ce que nous appelons le premier point. Et si le corps, nous sommes dans les premiers poules. Dans les ministères d'affaires, par exemple, les premiers poules, c'était quoi? La guérison. C'est la chair. C'est là où l'homme est dans la chair. C'est ce que nous appelons le troisième exode. Qui était quoi? D'un pays naturel à un autre pays naturel. N'est-ce pas? Premier exode. Et dans le premier exode, nous avons un fils qui a été produit. Parce que le frère Branham dit, il y avait trois femmes. Il y avait Agar, Sarah et Marie. Ici, nous avons Agar qui nous a produit Ismaël. Amen. En cela, vous comprenez que la chair n'y a nulle part parce que c'est Ismaël. Dans le premier exode, c'est d'un pays naturel à un autre pays naturel. Dans le premier exode. Et dans le premier exode, c'est le premier poule, la guérison de la chair, qui ne concerne qu'à la chair. En ce moment-là, tu n'es pas encore chrétien. Tu as écouté la parole de Branham, gloire à Dieu, c'est bien. C'est juste la première étape. C'est-à-dire que là, tu as enfanté Ismaël. Dieu l'a béni, si vous le savez. Dieu l'a béni. Mais il n'a jamais été sauvé. Il n'a jamais été l'enfant de la promesse. Preuve en eux que, lorsque Abraham est parti sur la montagne d'origine pour offrir son fils Isaac, Dieu lui a dit, merci Abraham parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Or, il avait déjà Ismaël, mais Dieu l'appelle fils unique. Le fils qui était compté par Dieu, c'était Isaac. Ce n'était pas Ismaël, c'était Isaac.
absolument rien. C'est juste un tabernacle, là où vous habitez. Faites de ça chrétien, amener ça dans l'enlèvement, c'est de l'absurdité. Dieu n'est pas dans cette chose-là. Dieu n'a pas. Dieu ne deal pas avec la chair. C'est juste Ismaël qui a été produit par Agar. Et le premier exode, ce n'était pas tout. Il devait continuer. Amen. Amen. Ça nous a produit Ismaël Agar. Dans le deuxième exode, nous avons voyagé du judaïsme, ok, au baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas, assez d'espace. On a voyagé du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Ok. Et là, nous avions eu Sarah qui nous a produit Isaac. Sarah a engendré, a produit Isaac. C'est déjà bien. Parce qu'Isaac était la semence d'Abraham. Mais le frère Abraham dit que la véritable semence d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Amen. Amen. Ils ont quitté d'un état spirituel. Parce que le judaïsme, hein, c'était le naturel, du naturel au naturel. Ça, c'était le judaïsme. Maintenant, on devait les enlever du judaïsme, là où ils pensaient que toutes les promesses de Dieu devaient s'accomplir d'une manière naturelle. Naturelle, pardon. Vous comprenez? C'est là où ils ont dit que quand le Messie viendra, les arbres vont taper les mains. Les vallées vont être remplies et les montagnes seront abaissées. C'est-à-dire que Israël sera plat, aplani. Amen. Mais Jean-Baptiste est venu, Jésus est venu, il y a toujours des montagnes en Israël. Les feuilles n'ont pas battu les mains parce que d'abord les feuilles n'ont pas les mains. Amen. Tout demeure ainsi depuis ce temps-là. Alors qu'il devait quitter le judaïsme. Là, il pensait que les promesses de Dieu devaient s'accomplir naturellement, d'une manière naturelle, pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit. C'est maintenant, à partir de là, déjà, vous avez toutes les choses sont devenues quoi? Spirituelles. Malheureusement, que jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le troisième exode. Les gens veulent amener encore du judaïsme dans le troisième exode. Pensant que l'enlèvement, c'est une promesse physique. Amen. Amen. Que nous serons quelque part. Comme les gens qui montent dans un avion qui vont quelque part. Les dénominations ont représenté de leur manière. Les gens qui volaient à l'air avec plus, c'est pas comme des oiseaux. Tout ça, c'est du judaïsme. Ils n'ont même pas encore effectué le deuxième voyage. Ils ne sont même pas dans le deuxième exode. C'est très dangereux. Beaucoup de gens, même dans les messages, ils sont encore dans les premiers exodes. Et en cela, vous n'avez que les membres de l'église, ce ne sont que des nombres assommatoires. La chose n'est pas encore arrivée au niveau de l'âme. Ils ne peuvent pas être les chrétiens. Et maintenant, nous allons maintenant dans le troisième exode. Ok. Troisième exode. Ici, nous avions dit que nous étions dans le deuxième poule. Le deuxième poule, c'était quoi? Le discernement des esprits. Là, nous sommes déjà dans le domaine spirituel. Du judaïsme au baptême du Saint-Esprit, c'est déjà le spirituel. De l'Égypte en Israël, en terre promise, c'était des choses naturelles, du judaïsme. Du judaïsme au baptême du Saint-Esprit, c'est déjà quelque chose d'esprit. Amen. Amen. Maintenant, nous devons quitter le deuxième poule qui était le discernement d'esprit pour arriver maintenant dans le troisième poule, la vision de la tente.
les ministères de chambre de la chambre du roi. Amen. Amen. Les ministères de la chambre du roi. Là où on a vu les sarcophages ouverts, il n'y avait plus de cadavres dedans. Les ministères de la résurrection. On a déjà franchi la dernière marche de la pyramide. Nous sommes arrivés au septième âge. Et il y avait un monsieur là pour nous introduire dans la chambre du roi. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans la chambre du roi. Dans le troisième exode. Amen. Et c'est là que nous avons Marie qui nous a produit qui? Jésus, la parole. Alléluia. Amen. Marion. Marie au masculin. Amen. Et son nom Marion a cette lettre. Ça s'écrit comme ça. Avec deux R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 l'achèvement. Amen. Amen. Nous voyons ici Marie est venue. Les messages de frère Branham n'étaient pas les messages du premier et du deuxième poule. Ça, c'était le message pentecôtiste. Quand on est arrivé au deuxième exode, c'était à Azusa Street. Là, c'était la fin du deuxième exode. Le frère Branham est venu nous faire sortir du deuxième exode pour nous amener dans le troisième exode. Et le troisième exode, c'est la chambre du roi. C'est la vision de la tente. Le troisième exode, c'est l'ouverture de la parole qui ne concerne que l'âme. Malachie chapitre 4. C'est la guérison des âmes. C'est Christ qui est le soleil de sa justice, qui descend avec la guérison sur ses ailes pour guérir les âmes. Ce n'est pas le corps. Certes, le frère Branham a guéri le corps. Jésus a guéri le corps dans le ministère de frère Branham. Mais l'objectif, ce n'était pas ça. Parce que déjà dans le désert, le serpent n'est rien à guérir. De la morsure du serpent, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le véritable serpent n'est rien. Quand il vient, c'est pour guérir. Baptism of the Holy Ghost. Right back into the eternal land of millennium. Il retourne right back. C'est-à-dire, c'est là qu'ils étaient. In eternal land of millennium, dans le pays éternel du millénium, c'est là le repos de Dieu. C'est là où Dieu entre là, il devient la même créature que l'homme. C'est là où l'homme prend le nom de Jésus, parce que le nom, c'est une nature. Amen. Dans mes yeux, quel est-il? Il dit, le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. La divinité est restaurée dans l'homme dans le troisième exode. C'est-à-dire dans l'âme. Parce qu'on ne peut pas être Dieu dans l'esprit ou dans la chair. On est Dieu dans l'âme. Lorsque la parole arrive dans l'âme, c'est là où on n'est plus un homme blasphématoire. C'est là où on est chrétien. C'est là où on est comme Christ. Reflétant Christ dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen, amen. Et un exemple. Dans Acte 19, il y avait le fils de Séba. Je ne veux pas dire ça, je vais simplement citer ça comme ça. Ils sont partis voir un démon. Au nom de Jésus, que voilà a prêché. Il dit, vous ne connaissez pas Jésus. Nous, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous qui êtes, vous. C'est dans Acte 19. Il dit, la Bible dit qu'ils ont été massacrés par les démons jusqu'à être déshabillés. Ils sont restés nus, sans habit. Parce qu'ils n'avaient pas la dynamique. Ils avaient la mécanique, mais ils n'avaient pas la dynamique. Ils pouvaient parler de Jésus de leur lèvre, dans la chair, mais dans l'âme, il n'y avait pas de Jésus. Or, le diable, lui, il voit ce qu'il a dans l'âme. Ils n'étaient pas comme Christ. Alors, ils ont été massacrés. Aujourd'hui, on fait la même chose. Si vous n'avez pas Christ, le diable sait. Vous essayez de chasser un démon, ça ne marchera pas. Puisque Christ n'est pas dans l'âme. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes un homme blasphématoire. Vous amenez le pauvre au nom de Christ. Je parle de l'individu. Closing. Frère Branham dit dans le seal of God, the seal of Christ, il dit, and now, that man coming to Jesus Christ today and coming through the blood, comes into the blood cell in fellowship by the Holy Spirit, becomes a part of God.
Amen. As God's life in him becomes a son and daughter of God, it's just as impossible for that man to be lost, it is for God himself to be lost. Quand il vient, il devient une nouvelle créature en Christ, il devient Christ lui-même, un homme comme ça ne peut plus être perdu. Dernière citation dans les résumés des âges. Le frère Bonhomme dit, ça c'est quelque chose que vous connaissez. Il dit, nous arrivons donc à la conclusion de cet âge d'église. Ne disant que ce que l'Esprit dit à chaque page. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges. L'Esprit de Dieu nous a parlé, pas simplement pour nous enseigner les âges de vie comme une histoire. Écoutez, il dit, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans le cœur pour que ce signe se tourne vers lui. Il a œuvré dans le cœur pour que les cœurs, les âmes puissent tourner vers lui. Amen. Amen. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. Toute prédication, tout enseignement, c'est pour tourner les âmes vers Christ. Ok. Amen. Il dit par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles les suivent.